Voilà. Alors, pour Olivier Sutter, pour Philippe Stocker, Trial Vidéo. Est-ce que tu peux nous présenter la moto? Eh bien, il s'agit d'une Guzzi, une moto Guzzi Stornello. À la base, c'est un moteur de 125. Bon, c'est un bizarre, je pense qu'on peut le qualifier de bizarre. J'ai toujours aimé les Guzzi, j'ai toujours voulu rouler en Guzzi. Et en Trial, je roulais sur Honda en 4 temps, en ancienne, mais ça m'amusait moins ces derniers temps. Et donc, je me suis fait plaisir, je me suis bricolé une moto Guzzi. Alors, c'est un moteur qui est gonflé un peu, hein. Il est préparé au niveau du cylindre. Le pot d'échappement est une imitation, une copie, je dirais, de ce que faisait le préparateur italien Colombari. Il reste beaucoup de choses, hein. C'est sa première mouture, là. Elle sort pratiquement pour la première fois. Mais la cylindrée, alors c'est la cylindrée, je dois être aux alentours de 185. Ah d'accord, pas plus. Après, je suis limité pour un problème de diamètre et de course. Je crois que Colombari, le préparateur c'est sûr italien... qu'au niveau de la course, tu peux difficilement modifier l'enviolage. Colombari et Bartoria avaient préparé une série de motos comme ça, et eux avaient modifié la... Comment tu peux modifier la course sans modifier l'enviolage? Déplace la bielle sur l'enviolage. Hein? Déplace la bielle, la tête de bielle sur l'enviolage. C'est assez... c'est un travail de fou, quoi. Mais c'est faisable. Donc, ils sont obligés de décaler l'axe? Oui. Ouais, mais généralement, comme l'axe est à l'extrémité, comment ils font pour le décaler encore plus? Je pense qu'il reste de la place. Hein. Il doit rester de la place. Ah, donc il faut un réalisage, et puis après... Je ne me rappelle pas des dimensions, mais je crois qu'ils sont passés, mettons, de 52 à 56. Ah ouais, d'accord. Ce qui fait gagner 4 mm, donc... Comme ça, on gagne quelques centimètres cubes et un meilleur remplissage. Après, ça... Donc c'est un 4 temps aussi? C'est un 4 temps monocylindre de chez Guzzi des années 70. Et donc le cadre a quelque chose à voir ou pas? Non, c'est un moteur adapté dans le cadre. Le moteur est bien adapté dans un cadre. Parce que j'y connais rien du tout en moto ancienne. Ouais, mais ça fera plaisir à tous ceux qui regardent la moto ancienne. C'est un moteur qui a été monté dans un cadre de Butaco Lobito 125. Ah d'accord. On retrouve la boîte à air 125 Lobito. D'accord. Oh purée. Voilà. Et à l'arrière, ça m'a l'air des gearlings, ça? Non? À l'arrière, c'est des... Non, c'est du Honda TLR. Alors c'est pour gagner un peu en hauteur parce que mon angle de chasse n'était pas terrible. La roue arrière c'est du Butaco aussi. Devant c'est du Bétor par contre, ça je suis presque sûr. C'est le Bétor qui file d'ailleurs, ouais. Hein, on le voit bien. Ouais. Ça, je vous rappelle que sur ma première SWM, j'avais ces fourches Bétor. Par la suite, les SWM étaient vendus avec du marde chic, qui était trop léger. Alors les pros, ils remettaient du Bétor à l'avant. Je pense que c'était plutôt par rapport au poids, pour abaisser le centre de gravité. Okay. C'est quand tu fais les Scottish X-Days, des trucs comme ça, où tu es obligé d'avoir un centre de gravité bas et un angle de chasse plutôt ouvert pour gagner en stabilité. Ouais, c'est ça. En tout cas, le moteur. Et bah, ce qui m'étonne aussi, c'est que le pignon de sortie bas, qui lui m'a l'air carrément ridicule. Non, c'est un pignon de 13 dents. C'est le plus petit que j'ai pu trouver en Italie sur une bourse, je crois, à Novegro d'ailleurs. C'est vraiment... J'aimerais bien mettre un plus petit à 11 dents. Mais sinon, c'est pas trop mal pour l'instant. Alors, le pot d'échappement, c'est une copie, hein. C'est une imitation de ce que faisait Bartoria Colombari sur l'autobus Stornello. Le moteur, les caractéristiques du moteur sont un peu particulières quand même, parce que les soupapes sont pas à l'admission à l'arrière et l'échappement à l'avant du moteur, mais latéral. Ah d'accord. Ce qui explique l'entrée du carburateur sur la gauche, de la culasse. On a une soupape là, et une soupape de l'autre côté, elle travaille en fait en biais comme ça. Quoi. Ah d'accord, ouais. Et ça, je suppose que des poussoirs aussi. C'est des cutters, et des tiges qui traversent. La voie cam se trouve d'ailleurs à cet axe-là. Le moteur, le vilebrequin, entraîne l'épurateur. Enfin, il y a un pignon, le pignon de sortie de vilebrequin entraîne le pignon d'arbre à cam. Deux fois moins grand au niveau sûr, des dents. Bien sûr. Et ce pignon d'arbre à cam entraîne l'embrayage. Ah d'accord. C'est assez amusant. Hein. On n'est plus habitué à voir l'embrayage entraîné directement par le pignon de sortie de vilo. Mais là, c'est pas le cas. Ouais. Mais du coup, s'il entraîne l'embrayage tourne deux fois plus vite. Non? Alors, non, pas nécessairement, hein, ça dépend de la démultiplication. Là, on a un pignon de sortie de bois. Ah oui, ça dépend. Un pignon d'arbre à cam qui est deux fois plus grand que le sortie. Oui, comme d'arbre, quoi, puisque sinon ça pourrait pas fonctionner. Ouais. Ça, c'est un peu les caractéristiques. C'est un carter humide, hein. La pompe à huile est située dans ce carter, d'ailleurs.
petite boîte 5 vitesses. Alors ça, c'est la boîte 5 vitesses du moteur 125. Je ne l'ai pas absolument pas modifié, mais je crois que le fabricant, le préparateur Colombari et Bartoria, et ces deux Italiens qui ont préparé des Guzzi Trial, eux, je crois qu'ils modifiaient aussi la boîte. Ça écoute, demande beaucoup de choses. J'y connais pas trop rien. De toute façon, c'est pas dans mon budget immédiat au vu de ma situation. Trial Magazine, je suis sûr que ça, ça plaira beaucoup à tous les amateurs de motos anciennes. Ta petite présentation, bah, tu peux faire un petit coucou à toute la planète entière, of Deutsch, of English. Ah non, ça, je suis pas très doué pour les... En tout cas, je les salue tous, c'est clair. Et je vais au Ventoux le week-end prochain. Si j'aurai certainement le plaisir de rencontrer un tas de gens. Eh ben là, au Ventoux, bah, tu auras certainement plein de gens qui viendront te voir. Parce c'est que d'ailleurs là où j'ai vu pour la première fois une trial Guzzi Stornello. Le fameux Ventoux, c'est par équipe, je crois, non, c'est pas ça? C'est un trial par équipe, le Ventoux? C'est un trial par équipe, oui. Ils font par équipe de quoi? De deux ou de trois? C'est un très beau trial par trois. Moi, je l'ai beaucoup fait avec le Honda. Mais c'est un très très beau trial. J'espère que là, les conditions climatiques vont s'y prêter. Un peu plus, ça serait bien. Ok, bah, écoute, ça marche. On te remercie. À mon avis, ça fera plaisir à tout le monde. Hein, et... bah, roule bien. Bah, je vais te prendre en vidéo un petit peu, si tu veux. Bah, c'est ses premiers tours, alors évidemment... Moi, t'es inversé, évidemment. Non.